22 novembre 1966, à 14 h, les sapeurs-pompiers sont alertés pour le sauvetage d'un homme bloqué à l'intérieur d'une cheminée d'usine, 46 rue Massillon. Les secours habituels se rendent sur les lieux. À l'arrivée, la situation est la suivante. Un ouvrier est bloqué à l'intérieur d'une grande cheminée vétuste de 38 mètres de hauteur. Les échelons en fer, scellés intérieurement, sont en très mauvais état, mais lui ont permis de grimper à 25 mètres sans possibilité de continuer la montée ou de descendre. Les abords sont encombrés et un bulldozer réquisitionné permettra l'accès au plus près. Cependant, l'échelle mécanique travaille hors limite sécurité, la vie d'un homme étant en jeu. Pendant ce temps, pour parer une chute éventuelle, des masses de polyester ont été entassées à la base intérieure de la cheminée. Un hélicoptère de la protection civile demandé en temps utile est sur place, mais ne peut intervenir à cause du vent. L'échelle appuyée permet alors de percer un trou d'accès à l'homme qui s'amarre et est descendu par l'intérieur au moyen d'un cordage. L'heure tardive et les circonstances locales ne nous ont pas permis de fixer ces émouvantes images. À 17 h 25, les opérations de sauvetage auxquelles assistaient M. Duroméa, premier adjoint, M. Argentin, secrétaire général adjoint, étaient terminées.